Bonjour à tous les amis, nouvel achat aujourd'hui avec cette jolie 405 phase 2 de 1994. Regarde-moi ce bijou, c'est un 1 litre 6 i 90 chevaux et première main. Yeah! Pour la petite histoire, une dame, une amie m'a contacté tout à l'heure. Elle me dit j'ai une 405, la batterie est morte, elle n'a pas roulé depuis 2 mois, j'en voudrais 100 euros. Je fais bah pas de soucis. Je vais venir la voir et puis dans tous les cas je la prends. Donc j'arrive là-bas, en fait c'est une première main depuis 94 et la dame a 95 ans. T'imagines? Et c'est ses enfants qui lui ont interdit de conduire. Elle la vendait vraiment avec regret. Mais on en revient aux gens qui ont peur et puis qui veulent pas que leur véhicule roule. De base, elle ne voulait même pas me donner la carte grise, elle voulait que ça soit uniquement pour pièces. Tu vois, c'est... les gens ont peur, c'est bizarre, hein. Et donc, elle était dégoûtée, la mamie, de la revendre, quoi. Elle l'a eu toute sa vie, enfin pas toute sa vie, mais elle l'a eu neuve, donc tu vois bien. Allez, je vous la montre. Donc voici l'engin. Comme me disait mamie, je suis désolé, j'ai un peu abîmé au fur et à mesure des ans. Je fais, mais c'est pas grave, à 100 euros, je m'attends pas à ce qu'elle soit nickel. Je suis déjà très content. Ah oui, je ne l'ai pas dit, elle a que 128 000 bornes. Toujours entretenue en garage. Apparemment, les pneus avant ont 2 mois. Et la moindre réparation, c'était tout fait en garage, en temps et en heure. Donc, niveau carrosserie. Oh, les beaux pneus Uniroyal là. Oh là là là. Niveau carrosserie, qu'est-ce qu'on peut voir? Même les pneus arrière sont bons. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la rouille, il y a quoi? Même pas de rouille. Oh, tu te rends compte? Une bosse là. 405 style. Qu'est-ce qu'on peut voir? Oh, le silencieux, il a pas l'air vieux. Oh, elle est propre à l'arrière. Oh là là. Petit truc là, petite bosse là. Là aussi. Les bas de caisse. Neuf. Ouais, 94, elles étaient catalysées. Bon, des traces là. On passe à l'intérieur. Le petit coussin à mamie, les petites housses, ils sont neufs les sièges en dessous. 128 000 km. Ah, oh, ça c'est beau. Le poste de rige. Non, ça tient pas. Ça. Bref. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte à gants? Mais ça, je vais tout mettre dans un sac et je vais tout lui ramener. À mon avis, elle a dû oublier des choses, la pauvre dame. Tu peux voir que l'intérieur, bon, il y a des feuilles. Elle me dit, je suis désolé, elle est pas nettoyée, mais je fais. Elle est déjà plus propre que des véhicules. Des fois, t'achètes des véhicules à 5000 balles, ils sont dans des états. Un bijou. Le pio. Non, le PQ. Maman, le PQ. Il y en a qui étaient prévoyants. Encore du PQ là-dedans. Ah, ça, c'est beau. Ah, j'adore les carnets d'entretien comme ça. J'adore. Magnifique. En plus, j'ai 2 clés. Elle démarre au quart de tour, la chiotterie. Bon, je lui ai remis ma batterie de 205. Oh là là, magnifique! Un bijou! Alors, est-ce que ça fonctionne? Oh, génial!
haute. Impeccable. Le bouton là. Oh, super. Top. Génial. Bon, bah, je peux te dire que ça souffle là. Oh là. Nickel, faudra que je retrouve le code pour le poste. Security. Allez, on passe au capot. Ah oui, avant de passer au capot, on va regarder ce grand coffre. Oh, génial. Ils ont un coffre de malade. Non ! Ça a tout coulé là. Ça, c'est à moi. Ah, bordel ! Vite enlever ça. La moquette, elle est neuve en dessous. Neuve. Bon. Là, je peux te dire que tu peux rentrer deux cadavres. Voilà le bestio. La 86i, 90 chevaux. Même la courroie d'accessoire, elle n'a même pas craquelé, rien. Bon, comme tu peux le voir là, il y a une belle fuite d'huile par contre là. Elle m'a dit je l'ai emmené au garage pour une fuite d'huile, bah mais je sais pas ce qu'ils ont fait, mais là ça refuit toujours. Donc je ne sais pas d'où elle vient. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le boîtier d'eau là? C'est quoi ce thème? Un vieux Riesling avec un bouchon sous le boîtier d'eau. Non, faudra que je regarde. Faudra que je regarde. C'est bizarre. On voit que dalle. On verra bien. Donc voilà le bestio. Que ouais, il y a une belle fuite d'huile, hein, c'est dingue. Enfin bref, je la passerai au Karcher, enfin le côté du moteur au Karcher pour voir d'où vient la fuite et voir qu'est-ce qui va d'origine sur le bidule avec le collier là, truc fait en mode margoulin. Mais ensuite contrôle, parce qu'il ne doit pas y avoir grand-chose par la fuite d'huile à résoudre. J'ai senti aucun jeu dans les rotules, elle freine bien, tout va bien sur cette voiture. Tout va bien. Donc normalement, si je résous la fuite d'huile, elle passe au contrôle haut la main. Je vais la passer au contrôle dans la semaine. Et ensuite, elle sera à la vente. On va voir suivant les frais qu'il y a à faire dessus. Elle sera en vente à 990 boules. 990 balles. 128 000 bandes première main. Cash en liquide. T'es heureuse toi, hein, hein Mimine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est une bonne affaire ou pas. Bon, moi je pense que oui. En tous les cas, moi ça me va très bien. 100 balles, c'est donné. On va pas se mentir, c'est gratuit quoi. Un bijou cette chariote. Un bijou. Faut que je retrouve aussi une batterie. Parce que j'ai pris celle de mon bijou là-bas. Regarde-moi ça. Ah. Présentation dans la semaine. Mais en plus, qu'est-ce que c'est agréable à conduire. J'adore les bateaux comme ça. Ça me fait penser à la BX. Une 405 BX, etc. J'adore conduire ça. C'est trop bien dedans. Le moteur répond super bien en 90 chevaux. Là, je vais vite aller récupérer ma C3 chez la dame. Parce que je suis parti tout seul. Les affaires comme ça, faut pas traîner. Faut partir de suite. Je me suis muni d'une de mes filles. Et on est allé là-bas direct. Donc, j'ai laissé mon véhicule sur place. Pas très loin, une dizaine de kilomètres. Donc, on va prendre nos vélos avec ma fille. Et hop, on va y aller. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que mon nouvel achat vous a plu. Donc non, elle n'aura pas un coup de pioche celle-ci. Sachant qu'elle est toute en règle et qu'il n'y a rien à faire. Un bijou, maman de bijou, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Je vous dis à très bientôt. Bon, demain ou après-demain. Ou... pour la vidéo de la 205 à 12 roues.